Ouais, ça s'est réglé pas mal vite, la fête de Caroline puis de son Pierre-Paul. Oh, l'amour. Tu te rappelles pas? Comment je me rappelle pas? De quoi? Quelques mois avant notre mariage, quand tu m'avais surpris avec mon gérant de département au restaurant. Ouais. Plutôt moi qui ai eu l'air surpris. Ça s'était arrangé vite aussi, hein? Ouais. Chance que je l'avais pas surpris dans ton appartement, parce que là, ça aurait été plus long. T'as rien comme malentendu. Un petit souper intime avec son petit boss. Ah, non. Je parle de Caroline et Pierre-Paul, là. Ah, oh, je pensais que tu voulais parler de ton Germain, en gros. Quel Germain? Pas ton cousin Germain. Ah, oh, tu veux dire Germain, la bonté? La bonté, oui. Parce qu'avec le visage qu'il avait, c'était sûrement pas la beauté. Oh, il était pas si pire que ça. Ouais. Gérant du département des parfums. Ah, ça, il était pas dangereux avec les femmes. Comme ça, tu te souvenais même de son nom. Puis de sa face aussi, oui. Moi, en tout cas, je me souviens de la tienne quand tu nous as aperçus au restaurant. À la lueur des chandelles, t'avais un visage de carême. C'est quand même mieux qu'un visage à deux faces, non? Si tu t'étais vu les yeux, des vraies mitraillettes. J'ai eu peur un bout de temps que tu sois un homme jaloux. Ouais. Je suis pas jaloux, j'étais en amour. Bon. Comme Caroline. Ouais, parlons-en de Caroline. Elle est arrivée la semaine passée à la maison, là, comme si c'était la fin du monde. Puis là, je te gâche qu'elle sera prête à aller vivre avec lui, là. Ça va peut-être retarder les affaires un peu. Ou bien le contraire. On verra bien. En tout cas, pour le moment, ils se voient tous les jours. Ouais, c'est ça qui arrive. C'est qu'à force de se voir tous les jours, on finit par avoir envie de se voir toutes les nuits. Tu es sûr que tu n'oublies rien? Ah oui, j'ai tout vérifié hier soir. Et puis d'ailleurs, je ne pars pas pour un mois, hein, mais pour une semaine. 9 jours? Ce sera bien suffisant. Non, Maude voulait que l'on soit 3 semaines là-bas. Mais je n'aurais pas pu. Oh, d'ailleurs, la Floride ne m'a jamais tellement attirée. Et puis, le printemps est à nos portes. Ah, mais parfois, il y reste longtemps. Quoi donc? Mais le printemps. Oh, tout de même, ce voyage va te faire du bien, j'en suis certain. Oui, après les événements des dernières semaines. Ah, oh, vous pouvez même dire des derniers mois. Hein? Est-ce que Maude a convaincu Nathalie de vous accompagner? Eh bien non, Nathalie préfère rester à Montréal avec son père. Ah, ce cher juge Magloire! Il doit être déçu de la tournure des événements. Cette fille qui était son adoration. Elle l'est toujours. Il me disait encore hier qu'il échangerait volontiers son poste de juge contre le bonheur de sa fille. Mais que ne ferait-on pas pour le bonheur de ses enfants? En effet. Heureusement que votre Pierre-Paul ne vous cause pas ce genre d'ennui. Pas ce genre-là, non. Au fait, vous vous rendez à Durval en taxi? Oh, ne me parlez pas de taxi, voulez-vous. Non, c'est Jean-François qui va nous conduire. Ah, monsieur le juge... Ah. Oui, il siège. Il ne siège pas aujourd'hui. Ah. Allô? Ah, c'est toi. C'est Maude. Oh. Oui, elle est déjà prête, oui. Hein, tu veux lui dire... Oui. Et bon voyage, hein? Maude veut te parler. Allô, Maude! Eh bien oui, les bagages sont même dans le hall d'entrée. Ainsi donc, nous allons passer ces 9 jours ensemble. Ah, tu ne peux pas savoir la joie que tu m'as faite en me suggérant de venir habiter avec toi en l'absence de Marie-Hélène. Mais c'est une joie que je me suis faite à moi aussi. Au fait, j'ai trouvé une dame qui nous servira d'aide ménagère. Ah oui? Oui, et c'est un service que nous offrent les clubs de l'âge d'or, où j'ai déjà été invité à donner une conférence sur des problèmes d'ordre légal. Elle sera ici cet après-midi, oui. Bon. Oui, je me voulais pas. Ah, dans quelques minutes. Bon, mais oui, je vous attends. À tout de suite, mon. C'est ça, tout de suite. Bon, ben, ils sont ici dans le monde. Oh, Pierre-Paul, tu n'oublies pas de faire les achats, hein? Et surtout, ne profite pas, toi, de mon absence pour faire des excès. Des excès? Mais quels excès? De quelque nature que ce soit. Marie-Hélène, ne t'inquiète pas, je suis là. Oh, bon, si vous pensez que ça me rassure. Oh, mais je suis un peu inquiète de vous laisser tous les trois. Comment ça, tous les trois? Mais oui, le grand-père, le père et le petit-fils.
C'est vrai que nous ne sommes pas la Sainte Famille. Ni la Sainte Trinité. Non, les trois pinsons. Plus pinsons les uns que les autres. Mais je me flatte que mon fils, voire même mon petit-fils, ait hérité de ce qu'il y a de pinsons en moi, oui. Oh, mais Pierre-Paul a hérité aussi des qualités qui lui viennent de sa mère. Ah, bon. Eh bien, vous discuterez à votre aise de la filiation des pinsons à mon absence. Oh, les voilà. Les voilà. Je suis ému tout à coup. Il est un peu tard. Il n'est pas trop tard pour te dire que tu vas me manquer. C'est gentil. Repose-toi bien. Et surtout, n'oublie pas de m'écrire un mot. Bah, et toi? Moi, je t'écrirai aussi. Mais s'il a envie de me prendre de téléphoner, je ne me gênerai pas pour le faire. Allez, il m'attend. Ils t'attendront bien encore le temps d'un baiser. Bonjour, mon grand frisé. Allô, maman. Vous écoutez des belles chansons d'amour? J'écoute ce qui nous passe à la radio. Des fois, ils font jouer des belles, belles chansons. Oui, des belles chansons d'amour. Avez-vous déjà été en amour, vous, maman? Bien, tiens, c'est fait. Avec ton père? Non, je veux dire un grand amour. Ah, parce que tu penses qu'avec ton père, c'était des petits amours? Non, mais c'était pas comme dans un roman, là. Tu sais, un amour fou, là. Un amour qui tient pas de bout, là. Oh, c'est ça, là. Tu sais, un grand amour sans bon sens, là. Peut-être. Quand j'avais 16-17 ans. Hein? C'était votre premier amour? Si on peut appeler ça un amour. Comment est-ce qu'il s'appelait? T'es bien curieux, tout d'un coup? Oui, on m'a... Il s'appelait Vittorio. C'était-tu un Italien? Ben, avec un nom de même, c'était sûrement pas un Chinois. Un Italien. Ouais. T'allais faire des tours de bicycle au Parc La Fontaine. Écouter les concerts de fanfare. On était même allés au Parc Belmont une fois ensemble. Puis, l'avez-vous revu? Ouais, une fois, par accident. 20 ans plus tard. Ah oui? Où ça? Sur la rue Sainte-Catherine. Puis? Puis, c'est tout! Ça vous a rien fait? C'est lui qui m'a reconnu. Il m'a lâché un cri, puis il est venu vers moi. Moi, j'avais beau le regarder, je ne revoyais pas de Vittorio. Quand il était jeune, il avait des cheveux noirs, frisés, comme les tiens. Il me semblait qu'il était grand, mince. Là, je revoyais un homme rond, chauve. Tout ce que j'ai reconnu, c'est son sourire, son accent italien. Il travaillait dans le cement et finish. C'est vrai que vous, vous vieillissez pas. Hey Patrice, tu déjeunes pas avant de partir? Non, j'ai pas le temps. Oui, mais Patrice! J'ai un cours important. Faut que tu manges le matin. Maman, ma période de croissance est passée. Buongiorno, Vittorio! Attention, c'est chaud. Ouais, il est pas mal bon ton chocolat chaud. C'est pour ça qu'il coûte 50 cents. Ah ouais? OK. Il est pas mal bon. C'est fait à la machine. On peut pas le rater. Bon, mais vous avez une bonne machine, d'abord. Ben, tu diras ça à M. Lupier quand il va revenir. Ah, il est pas là? Non. Il est allé faire un dépôt à la caisse. Ah ouais? Tu sais que j'ai une sœur qui travaille à la caisse, moi. Caroline? Oui, je le sais. Les nouvelles vont vite. Mais ton père, il vient ici 2-3 fois par jour. Comme ça, tu dois savoir que je suis des cours pour faire du théâtre. Toi, tu dois savoir que je fais la même chose. Avec M. Lafontaine? Ouais, je sais. Puis je sais que tu viens de Rivière-du-Loup puis que tu t'appelles Violette. Mais c'est tout ce que je sais. C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Non. Ça, ça vaut juste 25 cents. Qu'est-ce que tu faisais à Rivière-du-Loup?
J'ai fini mon secondaire, puis après, j'ai travaillé dans un restaurant. Comme ça va? Oui, oui. Longtemps? 2 ans. Écoute, c'est pas un interrogatoire de police. Je reste dans le quartier, je suis pas un Hells Angel. Je m'appelle Pat Moineau. Je finis mon cégep cette année, puis je rentre à l'École nationale de théâtre l'automne prochain. Wow! Ça vaut 25 cents, ça? Ah, puis tu te payes ma gueule en plus de ça. Ben non. Mais toi, faudrait bien que tu me pètes en chocolat chaud. Ouais. Tiens, les v'là tes 2,30 sous. Merci. Écoute, j'aimerais ça te présenter des amis qui étudient en théâtre. Moi, ça fait juste quelques mois que je suis des cours de diction, mais j'ai des amis qui sont déjà à l'École nationale. Ah oui? Peut-être. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je peux entrer? Oui. Est-ce que vous êtes maître Pinson? Non, je suis le père... Ah, le père Pinson. Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, hein, c'est bien dur. Vous portez plus de soutane, il n'y a plus rien. Fait que c'est bien dur à deviner. Ben non, je ne suis pas le père Pinson. Je suis le père de maître Pinson. Ah, oh, ben, je m'excuse, mon père, son père. Enfin, je m'excuse. Bon, c'est un malentendu. Ah, oh, non, j'entends très bien. C'est vous qui avez dit je suis le père. Alors, moi, j'ai pensé que vous étiez le père Pinson. Mais, dites-moi, que puis-je faire pour vous? Rien. Pardon? Ah, c'est vous qui êtes dur d'oreille. Vous dites? Bon, ben, je vais parler plus fort. Mais non, je ne suis pas sourd. Je vous demandais simplement quelles étaient les raisons de votre visite. Ah, ben, c'est le club de l'âge d'or La Fontaine de Jouvence qui m'envoie. Ah, vous êtes la dame qui doit venir oui, sans oui, doute. Oui, 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 c'est moi. Oui, nous servir d'aide ménagère à mon fils Pierre-Paul et à moi. Ah, c'est votre fils, Pierre-Paul Pinson. Oui, oui, je suis son père, oui. Ah, vous n'avez pas eu de bonheur, hein? J'avais un certain âge, en effet, mais ma femme était plus jeune que moi. Ah, ben, j'espère, oui. Mais dites-moi, vous connaissez mon fils? Ben, comment donc? C'est lui qui sort avec la fille de mon garçon. Pierre Paul a une maîtresse. Mais comment s'appelle-t-elle? Qui? La fille de votre fils. Ben, qu'est-ce? Elle s'appelle comme son père. Et son père? Ben, voyons. Qui? Quoi? Comment s'appelle-t-il? Ben, voyons. Il s'appelle comme moi. C'est mon garçon. Et vous appelez comment? Ah, moi, je m'appelle le nom de mon défunt mari. Alors, vous êtes madame... Moineau. Pardon? Voyons, ça recommence. Moineau Rose. Ah, enfin, je crois que nous allons pouvoir faire la lumière sur ce malentendu. Vous attendez mieux la lumière allumée? Mais vous n'êtes pas la mère de Caroline. Voyons, mais pas regardé. Vous êtes sa grand-mère. Ben... forcément, puisque je suis la mère de son père. Ah bon, vous êtes la mère de M. Moineau, le père de Caroline. Ah, celle qui sort avec votre garçon. Mais non, je ne suis pas le père de Pierre-Paul. Oh ben là, je suis mêlé vrai. Enfin, oui, je suis le père de Pierre-Paul, mon fils. Mais c'est que Pierre-Paul, mon fils, a donné son prénom à Pierre-Paul, son fils. Ah, il n'a pas trouvé d'autre nom? Oh, il a songé un moment à donner mon prénom, mais je le lui ai déconseillé. Ah oui? Pourquoi? C'est que je m'appelle Auguste. Hey,
il courra une chance de se faire appeler Tigus. Ainsi donc, vous êtes la grand-mère de Caroline. Et ainsi donc, vous êtes le grand-père de Pierre Paul. Mais quelle coïncidence! Ah, vous savez, même dans le grand monde, le monde est petit. Bonjour, Pat. Salut. Puis moi, tu me dis pas bonjour? C'est-tu parce que j'ai assisté à ton cours important vendredi? Tu sais, j'ai allé au cégep, là? Non, non, c'était pas là, ça. Ah non, parce que je suis arrêté chez Méo en allant au cégep, là, puis... C'est pourtant pas dans la même direction, là. Je suppose qu'ils apprennent au cégep qu'il y a des détours qui sont des raccourcis, hein? On va pas besoin d'aller au cégep pour apprendre ça, là. Surtout quand il s'agissait d'aller cueillir des fleurs. Des violettes? Avenue de Rivière-du-Loup est tout seul à Montréal pour suivre des cours de théâtre. Mm. Je lui ai offert de lui présenter des amis, c'est tout. Tu fais un peu. Ouais. Un vrai moineau. Une autre dure journée. Assez dur, en effet, oui. Oh, puis-je te présenter, Madame Moineau? Pardon. Ah non, pas encore un autre qui est dur de règle. Oui, Madame Moineau est la personne que le Club de l'Âge d'Or... lequel donc? La Fontaine de Jouvence. Oui, nous envoyer comme aide ménagère. Ah oui, mais j'ai beaucoup entendu parler de vous. Ah ben, par votre fils et puis par votre père aussi. Je ne comprends pas. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Laissez, je vais lui expliquer. Oui, envoyez-donc. Madame Moineau est la mère de M. Moineau, le père de Caroline. Non. Puis, il est astineux en plus. Et comme elle fait partie du club de l'âge d'or en question et de son service de dépannage à domicile, il arrive que c'est elle qu'on nous a envoyé. Oui, c'est moi votre dépanneuse. Et ne trouves-tu pas cela amusant? Ah oui, c'est très amusant et inattendu. Alors, c'est vous qui... Oui, oui, c'est moi. Ah bon? Tu verras, elle est charmante. Ah, j'en doute pas. Vous avez connu mon garçon, puis sa femme, Marie-Madeleine. Hey, ils sont venus ici veiller l'autre soir. Est-ce que vous avez préparé le... Ah, le souper est prêt. Vous avez mis le couvert dans la salle... Ah, ouais, ouais, ouais. Comme dans les vues. Madame et Serge. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ben c'est la secrétaire de mon patron, Poilot. Elle m'annonce que Jean-Jacques, il va pouvoir se servir de mon taxi pour travailler la nuit à partir de la semaine prochaine. Tout est réglé, les assurances, tout. C'est pas tout à fait ce qu'il rêve de faire, hein? Ben, en attendant, c'est mieux que rien. Il fera comme moi, il continuera à rêver en faisant du taxi. Ah, parce que tu rêves encore? Ben, je rêve qu'il se place tout, oui. Moi, des enfants, c'est à peu près tout ce que j'ai fait à part du taxi. Puis là, je commence à avoir peur de les avoir ratés. Hey, tu trouves pas que t'exagères? Mais des grands bouts, c'est eux autres qui exagèrent. Regarde un peu ailleurs. Tu vas voir qu'on n'est pas si malchanceux que ça. Ailleurs. Aux alentours seulement. C'est plein de monde qui ont eu rien que du trouble avec les enfants. C'est vrai, nous autres, ils sont pas méchants, ils sont pas tombés dans les drogues, ces affaires-là. T'es chanceux, t'en as deux de mariés, tes grands-pères. Caroline a un bon emploi, Patrice achève son cégep. Les deux autres, ils cherchent. C'est bien normal. Tu trouves ça normal, toi? Par les temps qui courent, oui. Ouais. Je resterai pas à souper. Ah. As-tu d'autres cours à soir? Oui, un cours privé. Je m'en vais rejoindre des amis de l'École nationale avec Violette, oui. Coulant, c'est une comédie ou un drame que vous montez, là? En tout cas, au moins, je monte pas un bateau. Je m'en vais chercher Violette, puis on s'en va souper tous les deux dans une brasserie. Après, on va retrouver des amis.
Ah, comme ça, tu lâches pas ton idée de théâtre. Hein? C'est-à-dire que c'est elle qui me lâche pas. Hein, la petite moisin? Non, l'idée. J'ai même envie de m'inscrire pour l'automne prochain. Hmm. Si tu penses que t'as du talent. En tout cas, si j'en ai pas, ils vont me le dire. Ah oui, oui. Bon. Ben, bonsoir. Là. C'est ça. Bonne soirée. Hmm. Merci. Puis, c'est-tu de votre goût? Excellent, oui. Peut-être un peu salé. Quoi donc? Enfin, tout. Oh, il paraît que quand on est en amour, c'est jamais trop salé. Vous êtes amoureuse? Oh, ben, pas comme à 20 ans. Bien sûr. Pourtant, il paraît que l'amour n'a pas d'âge. Ah, vous aussi? Et quoi donc? Vous êtes en amour? Non, et je l'ai été beaucoup autrefois. Ah, ça paraît. Ah oui? Ah oui. Vous avez l'air romantique. Bon, nous n'allons pas retenir Madame Dumont. Bon, est-ce que je reviens demain? Mais bien sûr. Et puis, à quelle heure voulez-vous que j'arrive? Ben, mettons 10h30 du matin. Ah ben, c'est bien correct. Ça répond pas chez ta mère. Tu veux bien me dire où c'est qu'elle est allée courroyer encore, elle, là? Oui, donc, elle est peut-être sortie pour bien des raisons. Ouais. Oh, elle, là, pas comment est-ce qu'elle a fait pour passer sa vie à Saint-Cyril. Depuis qu'elle est rentrée à Montréal, elle arrête pas. Elle reprend peut-être le temps perdu. Ouais, parce que je peux voir, elle n'avait pas mal à reprendre. Allô? Ah, c'est vous? C'est ta mère. Ah. Vous devez venir d'arriver, certain, parce que je viens juste d'appeler, là, puis ça répondait pas. Ah, vous êtes pas chez vous? Vous voudriez que Marcel-Marie aille vous chercher, là? Ah, c'est correct, je vais y aller. Oui, oui, il va y aller. Il est prêt à partir, là. Où c'est qu'elle est, là? Il voudrait savoir où c'est que vous êtes, par exemple. Quoi? Marcel-Marie? Et chez les Pinsons! Ah bon? Hein? Chez les Pinsons?